Dans l'exposition que l'on montre à la Bibliothèque nationale jusqu'au 24 juillet 2022, on va marcher dans les pas de Champollion, découvrir à travers ses notes, ses dessins, ses archives qui sont conservées à la bibliothèque, le travail de toute une carrière. Ce n'est pas une exposition biographique. On l'accompagne vraiment dans ce qu'est le travail savant, comment on part à la rencontre des monuments pour déchiffrer une écriture qui était oubliée, perdue depuis près de 1500 ans. C'est un travail qui est parti de ce qu'on a découvert avec mes deux collègues co-commissaires lorsqu'on a, pendant 3 mois, parcouru les manuscrits de Champollion à la Bibliothèque nationale de France. Et en partant de ces notes, de ces dessins, de ces estampages, on a cherché à reconstituer le parcours du déchiffreur, ses tâtonnements, les différentes étapes qu'il a franchies pour arriver en 1822 à rédiger cette fameuse lettre à Monsieur Dacier. Jean-François Champollion, c'est quelqu'un qui était très précoce. Il n'aimait pas forcément l'école, on parle du lycée comme d'une prison, mais il était fasciné par les langues orientales, grâce à son frère aîné, Jacques-Joseph, qui avait 12 ans de plus que lui et qui lui a servi de mentor. Jacques-Joseph était lui-même un autodidacte dans certaines langues orientales, mais il n'a pas eu le loisir de s'y consacrer pleinement. Et lorsqu'il prend sous son aile son plus jeune frère et qu'il fait son éducation, c'est sans doute à ce moment-là que voilà, il lui fait part de cette passion, ou en tout cas au contact. Les deux frères s'entretiennent l'un l'autre dans cet intérêt. Jacques-Joseph va orienter les études de son frère, va aussi l'encourager, le soutenir dans les moments difficiles, le rabrouer un petit peu. Leur correspondance, qui est constituée de milliers de lettres, est assez révélatrice à ce titre-là, puisque on voit comment Jacques-Joseph reprend en main son cadet lorsqu'il est dans des phases de déprime, lorsqu'il commence à étudier trop de langues un peu trop éloignées. Son frère lui dit « Allez, concentre-toi vers les langues orientales, tu te disperses. » Et c'est son frère qui va lui procurer des copies de la pierre de Rosette, et c'est son frère qui va même rédiger la lettre à Monsieur Dacier. Son frère, il avait déjà toutes les notions de l'académisme, de la manière de s'adresser aux savants que le cadet ne maîtrisait pas bien. Il faut savoir aussi que Jacques-Joseph travaillait pendant longtemps comme secrétaire de Joseph Fourier, le préfet de l'Isère, qui avait fait partie de l'expédition de Bonaparte en Égypte, et il était chargé de rédiger l'introduction, donc le premier volume, à la description de l'Égypte. Et donc Jean-François Champollion va sillonner dans les pas de son frère aîné, qui lui-même était le plus proche collaborateur de Fourier, d'où cette jonction avec l'Égypte. On a dans l'exposition un manuscrit qui date de 1804, donc Champollion a 14 ans, où déjà on décèle un intérêt pour les langues orientales, les langues antiques et surtout l'étymologie. Et on voit Champollion s'intéresser à l'étymologie des mots contenus dans la Bible. Bible, qui est le fondement d'une connaissance pour les peuples antiques, et au-delà des peuples hébreux, il y a aussi le peuple égyptien qui est mentionné. Donc on voit là toute une conjonction de rencontres dans l'intérêt entre les langues orientales, ce livre, ce best-seller qu'est la Bible, et cet intérêt historique pour la recherche de ce que signifie véritablement ce texte biblique. Alors, l'écriture égyptienne, la dernière inscription connue, remonte en 394 de notre ère. Et à ce moment-là, l'Égypte est christianisée et cette pratique d'écriture dans les temples anciens est déclarée païenne. Déjà, elle n'était plus pratiquée que par une poignée de quelques prêtres. Et très vite, on oublie par l'aspect figuratif, l'écriture égyptienne qui représente si bien les oiseaux, les animaux de manière si figurative, plus personne n'arrive à songer que c'est véritablement une écriture. On pense que c'est un code pour cacher des savoirs secrets, mais certainement pas une écriture.
La quête du déchiffrement des hiéroglyphes, elle a commencé avant Champollion, parce qu'il y a eu des tentatives plus ou moins folkloriques, plus ou moins ésotériques. C'est des tentatives faites de savants, de jésuites, de personnes fascinées par l'Antiquité dans le monde arabe et le monde occidental, qui vont tenter d'approcher les hiéroglyphes, mais qui vont souvent se fourvoyer dans une voie purement magique, purement cachée. On est face à une écriture mystérieuse. Et ça, c'est ce qui va être prédominant à partir de la disparition des hiéroglyphes au IVe siècle de notre ère, jusqu'au, on va dire, la fin du XVIIIe siècle. Il y a d'autres savants avant Champollion qui vont, en même temps que Champollion, aussi avoir une approche plus rationnelle, plus scientifique, plus comparatiste. Et c'est dans ce mouvement intellectuel, cette espèce de réseau intellectuel européen du début du XIXe siècle, avec la découverte de nouveaux documents, donc ceux découverts lors de l'expédition d'Égypte, qui vont bénéficier aux recherches de Champollion. La méthode Champollion, c'est un travail de longue haleine. La lettre à Monsieur Dacier est publiée en 1822, mais ça fait plus de 10 ans qu'il se consacre entièrement à l'égyptien. On a dans l'exposition des dessins, des copies de textes datés de 1811, où il recopie un rouleau de plus de 7 mètres de long en hiératique, alors qu'il ne comprenait pas un traître mot de l'égyptien. Donc pendant une dizaine d'années, il copie ces inscriptions, il les recopie, il fait des rapprochements formels dans les signes d'écriture, selon la technique qui était employée par l'abbé Barthélemy quelques années avant. Au moment de déchiffrer le phénicien et l'araméen, il sait qu'il faut recopier ces écritures pour se les mettre dans l'œil et par comparaison dans l'évolution des signes, peut-être en déduire quelque chose. Champollion fait ça et il étudie notamment aussi les papyrus conservés à la Bibliothèque nationale. Il bénéficie d'un grand nombre, un véritable corpus de documents dans les différentes d'écriture égyptienne. Il n'y a pas seulement l'écriture hiéroglyphique, il y a aussi l'écriture hiératique et l'écriture démotique. Donc il arrive à un moment où c'est possible d'avoir une approche comparatiste parce qu'une des langues est maîtrisée, connue comme le copte, comme le grec. Et cette porte d'entrée va lui permettre de classer. Et ça se voit dans ses manuscrits parce qu'il écrit les hiéroglyphes, en dessous il écrit la version en démotique, la version en copte. Donc il a une maîtrise de toutes ces états de la langue égyptienne, des débuts jusqu'à la fin. Et finalement, c'est bien sûr la découverte, le travail sur la pierre de Rosette qui vient juste d'être découverte par l'expédition de Bonaparte qui va lui permettre d'avancer significativement. Le document décisif pour le début du déchiffrement des hiéroglyphes, c'est bien évidemment la pierre de Rosette, dont vous avez ici un moulage. Et cette pierre de Rosette a donc été trouvée en 1799 à Rosette, au large d'Alexandrie, lors de l'expédition de Bonaparte. Les savants ont fait tout de suite des copies. Cette empreinte qui a été prise sur la pierre, sans doute quand elle était déjà revenue en Angleterre, n'arrivera que plus tard à la Bibliothèque nationale. Champollion, lui, a travaillé à partir de copies imprimées ou estampées directement sur la pierre, mais pas des moulages en 3 dimensions. Champollion a probablement vu la pierre, on n'a pas de source directe, il ne l'évoque pas dans ses lettres, mais on sait qu'il est allé à Londres, on se doute qu'il a dû aller au British Museum la voir, mais il a eu des copies, les copies effectuées pour la description de l'Égypte, et c'est là-dessus qu'il va annoter et chercher, par une méthode comparatiste, les points communs entre les 3 types de textes. Avant lui, plusieurs savants dans l'Europe entière se sont attelés au déchiffrement, puisque cette pierre a l'avantage de présenter 3 écritures, donc en haut l'écriture hiéroglyphique, au centre l'écriture démotique, créée au 7e siècle avant notre ère, et qui est alors la langue et l'écriture administrative pratiquée en Égypte, tandis que la dernière partie, elle, est inscrite en grec. Donc tout de suite, quand les savants trouvent cette pierre, on connaît le grec et on se doute que ce sera une clé importante pour le déchiffrement.
Cette pierre de Rosette est en fait un décret, un texte administratif, ce qui explique l'usage de plusieurs écritures et de deux langues, la langue égyptienne, parlée en Égypte, et la langue grecque, qui était la langue officielle, puisqu'on était sous le règne de pharaons d'origine grecque, les Ptolémées, et il s'agit d'un texte qui institue notamment le culte divin du roi Ptolémée V Épiphane en 196 avant notre ère. Et comme elle était destinée à être affichée dans un temple, c'est pour ça que tout en haut on a des hiéroglyphes, puisque c'est l'écriture sacrée qu'on trouve de préférence dans un temple. Avant Champollion, un Suédois, Åkerblad, au début du XIXe siècle, a travaillé sur l'inscription démotique et a compris l'équivalence entre les signes grecs qui forment le nom de Ptolémée et les signes en démotique qui traduisent le même nom. Mais il s'arrête là et il transmet toutes ses notes à Thomas Young, un Anglais, qui lui va prendre le relais et lui va explorer également l'inscription hiéroglyphique. En 1818, Young publie les premiers déchiffrements de ces hiéroglyphes en proposant une liste de mots de vocabulaire qu'il déduit à partir du texte grec, mais il est très vite bloqué. Et c'est Champollion, grâce à sa maîtrise de la langue copte et la connaissance de la structure de la langue égyptienne, qui va pouvoir aller au-delà. Alors comment fait-il ? Il a repéré que le texte est émaillé de 7 cartouches. Et à partir de ces 7 cartouches, il va essayer de caler les morceaux de texte qui correspondent entre le grec, le démotique et le hiéroglyphe. En disant, bah, tout ce qui est contenu entre deux cartouches, ça doit donner tout le texte qui est contenu entre deux noms de roi Ptolémée. Et c'est ainsi qu'il mène son manuscrit que l'on voit juste à côté. Il recopie et met en parallèle les 3 inscriptions en tentant de la traduire. Mais il est un petit peu bloqué et c'est là son frère qui lui donne la clé et lui dit « Bon, bah, puisque tu as l'impression qu'il s'agit du même texte, mais pas d'une traduction mot à mot, c'est sans doute que les systèmes de langue sont trop éloignés pour arriver à faire l'équivalence entre une écriture et une autre. Puisque le copte est un état de langue beaucoup plus proche du grec parlé de l'époque et qui est le dernier état de la langue égyptienne, peut-être que ça te servira d'intermédiaire. Pourquoi tu ne traduirais pas le texte grec en copte ? Et là est la clé qui va servir en fait de base à tout le travail de Champollion par la suite. On verra que chaque fois qu'il relève des inscriptions égyptiennes, il va essayer de traduire le texte en copte. Il se souvient que, par exemple, le soleil, une fois qu'il aura compris que les signes peuvent être à la fois des signes sons et idées, le soleil en copte se dit « ra » et donc il va lire « ra ». Et c'est comme ça qu'on arrive à un pas encore plus loin dans le déchiffrement des hiéroglyphes et qui sera véritablement la clé. En 2022, on célèbre le bicentenaire de la publication « La lettre à Monsieur Dacier ». Alors, qui est Monsieur Dacier ? Monsieur Dacier, il a été longtemps à la tête de la Bibliothèque nationale, mais au moment où on lui adresse la lettre, il est surtout secrétaire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, une des plus hautes institutions pour la validation des savoirs en sciences humaines et notamment dans la recherche des inscriptions et des écritures anciennes. Il était devenu un ami de Jacques Joseph et c'est donc naturellement que les deux frères choisissent d'adresser à son patronage cette lettre qui est au début l'objet de mémoires manuscrits qui lui sont adressés. Ces mémoires manuscrits en fait font l'objet d'un résumé par Monsieur Dacier auprès de ses pairs à l'Académie. Et c'est là où on invite Jean-François, face à l'immensité des découvertes et cette promesse de la palme qu'est le déchiffrement des hiéroglyphes, on l'invite à venir faire lui-même cette communication à l'Académie. Et à l'issue de cette communication, on lui propose de publier cette découverte. C'est la lettre à Monsieur Dacier. Donc parmi les papiers de Champollion que nous avons dépouillés et analysés pendant plusieurs mois pour la préparation de l'exposition, se trouvait un certain nombre d'estampages.
Un estampage, c'est un document de ce type. C'est du papier souvent assez épais, humidifié, qui est plaqué contre un relief et qui donne ainsi la matérialité, les creux et les reliefs de cette stèle, notamment. Ça, c'est un estampage fait par Champollion lors de son voyage en Italie. Il faut savoir qu'après ses premières tentatives, ses premières études des collections égyptiennes qui se trouvaient à Paris, il a souhaité découvrir l'Italie et les grands musées qui se trouvaient en particulier à Turin. Turin avait la plus grande collection d'antiquités égyptiennes, hein, grâce à la fameuse acquisition de la collection Drovetti. Et Champollion souhaitait vivement découvrir ce musée, le musée égyptien de Turin, et profiter des dizaines de documents qu'il pouvait y découvrir et donc d'augmenter son corpus d'inscriptions à disposition. Il en a rapporté des dessins, des estampages de ce type qu'il a peint ou qu'il a fait peindre ultérieurement, et on voit déjà qu'il s'intéresse donc pas seulement aux inscriptions, aux hiéroglyphes, mais aussi à la représentation. Si vous avez un couple de défunts avec leur fille, assis devant une table d'offrande. Donc c'est ce type de petit monument qu'il va poursuivre de son assiduité à Turin, à Naples, à Rome et à Florence. C'est important ce voyage en Italie parce que c'est là où il va lier connaissance à Florence avec un égyptologue, Ippolito Rosellini, qui est celui avec qui il va organiser sa fameuse expédition en Égypte qui a lieu entre 1828 et 1829. Dans l'exposition Champollion, nous avions à cœur de mettre en regard les travaux de Champollion avec les objets originaux qu'il avait pu étudier. Et au moment de l'étude des papiers Champollion, on a ainsi découvert des dessins, des notes, des brouillons, des esquisses, des croquis et des estampages. Et nous avons cherché avec Guillemette Andreux et Vanessa Desclos à identifier les objets qu'il avait pu ainsi voir au musée du Louvre ou au musée de Turin. Et ce sont ce type de prêts que nous avons privilégiés pour la durée de l'exposition. Ce que fait Jean-François Champollion en déchiffrant les hiéroglyphes, c'est également retrouver les noms des dieux que les Égyptiens donnaient eux-mêmes à leur divinité. Et notamment, on avait le souvenir de ces divinités grâce aux témoignages des historiens grecs et romains. Donc on avait Hermès, Aphrodite, Zeus, des noms qui nous paraissent bien exotiques maintenant pour nous qui travaillons sur l'Égypte antique. Et Champollion va retrouver Thoth, Hathor, Osiris, Amon, tous ces noms de dieux véritablement égyptiens. Pour cela, il entreprend une publication avec son ami et dessinateur Dubois et ils vont commencer à dessiner toutes les divinités avec les légendes dont elles sont accompagnées. Et donc, ils vont pouvoir retrouver les noms de ces divinités et à travers l'étude des épithètes, donc les autres signes hiéroglyphiques qui accompagnent ces noms, retrouver la fonction de ces divinités et leur rôle. Comme ça, ils vont sortir de ce rôle purement magique ou un peu déformé que l'écho des historiens grecs et romains leur avait donné. Pour cela, Jean-François Champollion va notamment travailler sur une collection aujourd'hui encore à la Bibliothèque nationale de France, qui est la collection des bronzes du comte de Caylus. Comte de Caylus qui a rassemblé les premières antiquités égyptiennes au cours du XVIIIe siècle et qui va le léguer à la couronne, à Louis XV, à sa mort en 1765. Et c'est ces très beaux bronzes qu'on vous montre dans l'exposition et qui ont été justement restaurés pour l'exposition. On peut notamment s'attarder sur ce bronze du dieu Ptah. Le dieu Ptah, c'est la divinité tutélaire de la ville de Memphis, la capitale de l'administration égyptienne, qui se trouve non loin du Caire actuel. Le dieu Ptah est donc représenté gainé comme une momie, et il tient ce pilier, hein, le pilier Djed de la stabilité, qui est la colonne vertébrale du dieu Osiris. Et il s'agit ici d'un des plus beaux exemplaires de l'art des bronziers égyptiens, puisqu'il est avec de nombreuses inclusions d'argent qui vient souligner ses parures et notamment son regard. Il faut savoir que l'argent en Égypte était un matériau très précieux, beaucoup plus rare que l'or. En août 1828, Champollion et son collègue italien Ippolito Rosellini, accompagnés d'une dizaine de dessinateurs français et toscans, parviennent à Alexandrie
Et c'est le début d'une expédition qui doit durer un an, qui va se prolonger encore 6 mois, donc au total un an et demi dans la vallée du Nil, hein, Alexandrie, le Caire, jusqu'à Wadi Halfa, au sud d'Abou Simbel, et ensuite le voyage retour. C'est un voyage que Champollion espérait depuis plusieurs années. Il en rêve la nuit, il rêve de Thèbes, il rêve de Louxor. C'est enfin la concrétisation de ce rêve de pouvoir voir des monuments, voir des temples, voir des tombeaux, et dépasser ainsi sa découverte de l'Égypte qu'il avait dans les musées et dans les livres. Donc il va concrètement découvrir la terre de Pharaon, pouvoir la parcourir à son rythme. Et c'est bien lui qui est à la tête de cette expédition franco-toscane, parce que c'est le plus âgé, c'est le plus expérimenté, et il est déjà depuis 2 ans nommé à la tête de la division des antiquités égyptiennes du Louvre. Donc il a une aura, une reconnaissance auprès de ses collègues qui sont souvent plus jeunes. Dans cette expédition, Champollion écrit qu'il devient un Égyptien. À proprement parler, il se laisse pousser la barbe, il boit l'eau du Nil, il n'arrête pas de fumer. Et c'est probablement une pipe de ce type-là. Donc celle-ci, c'est une pipe qu'il a reçue lors de son séjour en Égypte comme cadeau, que nous avons pu avoir grâce à un descendant direct de Champollion. Cette pipe est restée dans la famille et elle est accompagnée des lunettes de soleil, parce qu'évidemment, le savant passait de longues journées à l'extérieur pour étudier les inscriptions qui étaient gravées sur les colonnes et sur les parois des temples. Donc on a des témoignages assez touchants qui nous rendent aussi le caractère plus humain du savant et de sa passion pour ce pays. Lui, il aurait pu y rester des mois et des mois entiers, et ses collègues qui étaient, eux, un petit peu fatigués, eux devaient recopier, comme il le disait, des hiéroglyphes toute la journée, et l'énergie de leur chef, qu'il surnommait général ou le patron. Voilà, certains collaborateurs sont retournés plus rapidement en France parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Lui, il aurait pu continuer son voyage beaucoup plus longtemps. Parmi les différentes techniques qu'utilise Champollion pour la collecte des textes dont il a besoin pour sa recherche du déchiffrement des hiéroglyphes, donc il y a les estampages, il y a la copie directe qu'il prend en note des croquis de statues et d'inscriptions qu'il recopie dans ses manuscrits, et il y a bien évidemment le dessin. Le dessin, c'est important, surtout pendant l'expédition franco-toscane, donc entre l'été 1828 et l'hiver, la fin de l'année 1829, puisque c'est armé de ses collègues dessinateurs qu'il va parcourir les principaux sites de l'Égypte, et notamment la vallée des rois à Louxor, sur la rive ouest de Louxor. C'est à cette occasion qu'ils vont dessiner des dizaines et des dizaines de bas-reliefs et peints qui se trouvaient dans les tombes notamment des grands pharaons Ramsès, donc du Nouvel Empire. Et voici le type de document qu'on peut trouver dans les papiers Champollion, avec des représentations de divinités, ici le disque solaire avec le scarabée du soleil, symbolisant le soleil levant qui émerge de ce disque, des divinités à tête de bélier, d'autres armées de couteaux, donc on est dans le monde souterrain, le monde infernal égyptien. Ces représentations divines ou de génies funéraires sont accompagnées de colonnes de hiéroglyphes, et on sait, Champollion l'explique dans les lettres à son frère, que cette méthode consistait à, dans un premier temps, les dessins soient faits par ses collègues, et lui, après coup, arrivait et dessinait les colonnes de hiéroglyphes. C'était évidemment dans l'équipe celui qui maîtrisait le plus le dessin et qui comprenait aussi ce qu'il écrivait. Certains de ses dessins sont signés ou pas, c'est parfois difficile de distinguer entre le travail du dessinateur et le travail de l'égyptologue. On sait quand même que Champollion n'était pas le meilleur des dessinateurs, il se débrouillait, mais il avait su s'entourer pour son expédition de personnes fiables, avec qui il collaborait déjà quand il était à Paris, et certains qui vont même, comme Nestor Lhôte, retourner en Égypte pour compléter le travail de cette expédition franco-toscane. Donc c'est important ces dessins aussi parce que son étude des tombes de ces rois du Nouvel Empire va lui donner envie d'en savoir plus sur ce qu'il appelle la psychologie égyptienne, ce qu'on appelle nous tout ce qui concerne les rites funéraires, les mythologies liées au monde de l'au-delà dans l'Égypte ancienne, et les planches qui sont issues de ses dessins, donc ce sont les planches qui vont constituer son grand œuvre posthume, donc les monuments de l'Égypte et de la Nubie, qui sont publiés par son frère aîné bien après sa mort.
La reconstitution des sons de l'Égyptien ancien est encore quelque chose qui est discuté. On a quelques présomptions, notamment grâce au cheminement inverse qu'on peut faire depuis la langue copte. C'est Kircher, le jésuite Kircher au XVIIIe siècle, qui démontre que le copte est le dernier état de la langue parlée par les pharaons, puisque c'est celle au moment de la christianisation de l'Égypte. Ce que font les Coptes, c'est juste de changer d'alphabet en utilisant un alphabet grec augmenté de 7 lettres pour rendre des sons propres à la langue égyptienne qui n'existait pas en grec. Et à partir de cette écriture gréco-égyptienne, si on peut dire, donc le copte, on peut déjà restituer un certain nombre de sons, parce que le copte, contrairement à l'égyptien hiéroglyphique, note les voyelles. Mais c'est un état très tardif de la langue, donc ça donne une idée de la sonorité, mais déjà très influencée d'autres sons et d'évolution de la langue sur 3000 ans. Pour remonter les sons de l'Égypte antique, il faut aussi se rebaser sur l'alphabet égyptien lui-même. Parce que ce que trouve Champollion dans la lettre à Dacier, c'est les 24 valeurs phonétiques qui ont servi à transcrire les sons pour les noms de pharaons grecs, romains et d'une manière générale tous les noms étrangers. Car contrairement aux noms égyptiens qui ont un sens, comme nos prénoms, il y a un sens caché derrière André, qui veut dire l'homme, par exemple. En égyptien, c'est la même chose, les prénoms ont un sens. Mais pour les noms de pharaons étrangers, on veut juste savoir bien le prononcer. Les grands prêtres vont traduire le nom du pharaon de manière phonétique, que ce soit Alexandre, Ptolémée, que ce soit Darius, dans la langue de leur pays. Donc ils vont forcément identifier dans leur centaines de hiéroglyphes qu'ils avaient à disposition des signes dont le son se rapproche le plus du son P pour Ptolémée, du son A pour Alexandre ou L ou D pour Darius. Donc cette approche par des noms étrangers, elle est fondamentale pour restituer la prononciation de l'Égyptien ancien. Alors Champollion ne fait pas que déchiffrer et rendre un son derrière les signes hiéroglyphiques, il va beaucoup plus loin. Il va jusqu'à traduire des textes et redonner sa propre voix aux hiéroglyphes et aux textes égyptiens qui étaient perdus. Et l'étape ultime, c'est bien sûr essayer de transmettre ce savoir. Donc il n'a cessé toute sa carrière de rédiger une grammaire de la langue égyptienne. D'abord pour lui, pour se guider dans ses traductions, mais aussi dans le but, un jour, d'enseigner tout cela, puisque la postérité et la preuve qu'il est arrivé à déchiffrer les hiéroglyphes est à ce prix-là. Donc on a ici une vitrine qui montre en trois étapes différentes grammaires égyptiennes de la main de Jean-François Champollion. On pense toujours à la grammaire qu'on trouve imprimée et réimprimée désormais, mais nous avons cette chance d'avoir les manuscrits qui montrent cette étape et comment s'est formée cette grammaire dans son esprit. La première grammaire de la langue égyptienne, c'est une grammaire purement copte, puisque le copte est le dernier état de la langue égyptienne. Et puis au fur et à mesure qu'il commence à déchiffrer les objets égyptiens, il va à Turin, il découvre de nouvelles inscriptions, il va émailler cette grammaire de la langue égyptienne d'exemples pris en hiéroglyphes. Et on a là un deuxième état. Et en 1831, quand il est enfin professeur au Collège de France et qu'il fait ses premiers enseignements, il rédige un état de la langue égyptienne. Il l'aborde sous sa chronologie, il ne fait pas de séparation entre les millénaires. Et ça va servir d'introduction à cette grammaire. Et, il sent qu'il est défaillant et il décide qu'il faut vraiment qu'il passe son temps à la mettre au propre pour la publier, jusqu'à avant qu'il lui arrive quelque chose. Donc en décembre 1831, il se retire dans la maison familiale dans le Quercy et il recopie cette grammaire. Donc là, nous avons le manuscrit en deux volumes ultime auquel il mettait encore la main jusque presque à la veille de sa mort et qu'il confie à son frère Jacques-Joseph en disant « Serrez-la bien fort en sûreté, elle sera ma carte de visite à la postérité ». Et effectivement, là, il y ajoute tous les exemples qu'il a pu voir en Égypte dans son voyage. Il y ajoute des couleurs. C'est une véritable mise au propre qui est assez émouvante, puisque c'est à partir de cette mise au propre que Jacques-Joseph, justement, va établir le texte qu'il va reproduire pour l'impression après la mort de son frère. Dès 1832, ici à Tel, il trouve un imprimeur,
Finalement, elle commencera à apparaître à partir de 1836 et l'achevé et imprimé date de 1841. Donc une sacrée entreprise pour reproduire ces milliers de signes qui n'avaient pas encore de fonte, mais qu'il a fallu dessiner et incorporer dans le texte. Et c'est très émouvant pour nous parce qu'on pense que ces deux volumes ont été reliés avec la coopération du frère de Jean-François Champollion, qu'il a lui-même élaboré les hiéroglyphes sur le dos de la grammaire qui forme le nom de Champollion en utilisant ces fameux hiéroglyphes phonétiques. Et d'ailleurs, il a intercalé des pages, notamment la première page de la grammaire où il y a noté grammaire et de la main de Jacques Joseph. Donc les deux frères se trouvent ainsi associés dans cette somme qui est véritablement la synthèse et la quintessence du savoir qu'a permis Jean-François en déchiffrant les hiéroglyphes. Après la communication à l'Académie, l'Académie est persuadée qu'on est sur la voie du déchiffrement des hiéroglyphes. Et en 1824, donc moins de 2 ans après cette lettre, Champollion publie le précis de la langue hiéroglyphique, où là, il a enfin trouvé très exactement le système hiéroglyphique, comment les 3 types de signes se combinent, pas uniquement les sons. Et il va pouvoir, dès 1827, même traduire pour la première fois un rituel funéraire. Donc il marche assez vite. Mais pour éprouver toute cette théorie, il a besoin de se confronter à du nouveau matériel. Donc il va voir les objets directement. Or, le premier musée égyptien créé au monde, c'est Turin. Donc en 1824-1826, il fait plusieurs séjours en Italie où il va pouvoir déjà tester sa lecture des hiéroglyphes sur de nouveaux objets. C'est à l'issue de ses voyages en Italie qu'il reçoit ses premières décorations officielles comme la Légion d'honneur. Et en 1826, lorsque le roi décide de créer une division des antiquités égyptiennes, plusieurs noms prestigieux sont dans la course, comme celui de Jomard, le grand géographe qui a présidé à la publication de la description de l'Égypte. Mais c'est un tout jeune savant, Jean-François Champollion, qui sera finalement désigné avec un projet révolutionnaire pour la muséographie, puisqu'il proposait de reconstituer véritablement le contexte de production des objets en restituant leurs fonctions. C'était enfin redonner leur voix aux objets égyptiens. Jusqu'en 1831, où il devient professeur d'archéologie au Collège de France, où il peut enfin enseigner le début des hiéroglyphes, mais il est très vite malade et finalement il décède en 1832. La postérité de Champollion est un peu contestée parce qu'il n'a pas tout de suite été reconnu. Certes, il est porté par l'Académie à un certain moment, mais ce n'est qu'à partir de 1826 qu'il a cette position officielle au Louvre. Donc un certain nombre d'années s'écoulent déjà, il n'a pas une reconnaissance immédiate. Et à sa mort, il n'a toujours pas publié de grammaire ni de dictionnaire, il a été pris par 1000 autres choses. Donc c'est son frère qui va jouer un rôle important, parce qu'il faut laisser quelque chose à postérité qui permette justement aux gens de refaire ce même parcours de Champollion, c'est-à-dire arriver soi-même à déchiffrer et à lire des hiéroglyphes pour prouver qu'on y est bien arrivé. Et jusqu'en 1865, c'est quelque chose qui restera discuté. Il y aura des partisans qui sont persuadés qu'on a déchiffré les hiéroglyphes, d'autres qui continueront de le contester. Gérard de Nerval, au moment où se dresse l'obélisque de la Concorde en 1936, dira que c'est impossible qu'on ait réussi à déchiffrer une écriture faite de canards et de hannetons, et donc montre bien le scepticisme. Mais en 1865, Emmanuel de Rouget arrive à la chaire du Collège de France et il fait la première lecture suivie d'un texte égyptien, en disant « Prenons la méthode Champollion et on va traduire ensemble ce texte inédit. » Et ça marche. Alors, à la mort précoce du savant, en 1832, il n'avait rien laissé pour sa femme et sa fille. Il ne pensait pas mourir aussi jeune, hein, moins de 42 ans. Et c'est grâce à son frère qui était alors conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque royale que les manuscrits de Champollion ont été acquis par l'État et donnés à la bibliothèque. Ces papiers sont là depuis plus d'une centaine d'années et à notre grande stupéfaction, quand on a feuilleté ces papiers avec Guillemette Andreux et Hélène Virenc, on a fait des découvertes fabuleuses. Déjà, c'est une joie de les manipuler et d'être captivé par cette démarche d'un homme bouillonnant pour découvrir une civilisation si ancienne.
Alors, ce qu'on voit certainement à travers l'exposition, c'est une capacité de travail extraordinaire, un acharnement, mais aussi des phases de découragement. Et donc le rôle important d'être stimulé par un environnement savant, mais aussi d'être bien entouré, comme il a pu l'être par son frère, et toutes les difficultés de l'époque. On est au lendemain de la Révolution française, les régimes politiques changent, il faut trouver des places, ils ne sont pas d'origine noble, il faut trouver un travail, et comment on continue de mener cette passion de la recherche en parallèle dans notre travail. Un sujet qui nous parle encore à beaucoup d'entre nous. Alors, l'héritage de Champollion, c'est un héritage qu'on a un petit peu croisé lors de cours dans les manuels scolaires. Champollion intègre les programmes de manuels scolaires à partir de 1880 comme une des gloires nationales qui a œuvré au déchiffrement des hiéroglyphes. Peut-être son nom est pas aussi connu que les égyptologues s'imaginent aujourd'hui, mais il reste notamment associé au nom de n'importe quel découvreur d'une contrée inédite. Un explorateur qui aurait gravi un iceberg devient tout d'un coup un Champollion des glaces, où on cherche toujours la pierre de Rosette qui servira à déchiffrer telle ou telle écriture. Donc ce tandem, ce binôme entre Champollion et Pierre de Rosette reste quand même très prégnant dans les esprits et les imaginaires. L'exposition L'Aventure Champollion est visible à la Bibliothèque nationale de France, donc sur le site François Mitterrand à Paris. Elle est ouverte jusqu'au 24 juillet et vous avez aussi la possibilité de compléter votre visite ou de découvrir des pièces présentées dans l'exposition en ligne sur le site de la BNF où plusieurs ressources, plusieurs articles ou diaporamas approfondissent certains aspects du parcours.